Salut, donc on est aujourd'hui le 10 février, donc voilà, donc malheureusement le soleil vient de se cacher un peu, donc on en profite, c'est le premier jour où c'est qu'on peut aller aux ruches. Voilà, les températures le permettent, c'est entre 10 et 13 degrés, donc là on va vite fait faire un état des lieux, voir les ruches, voir si elles ont encore des réserves ou pas. Donc on va passer le rucher là vite fait. Il est trop tôt encore pour les ouvrir. Travailler dedans, c'est-à-dire enlever les cadres et tout ça, il faut pas refroidir la grappe. Donc là, je suis venu pour contrôler les réserves, voir si elles auront suffisamment de réserves pour atteindre les premiers nectars qui seront les saules, les fruitiers. D'ailleurs, les saules sont en train de fleurir. Donc voilà, donc on va faire vite fait un bilan. Parmi ces trois, la dernière fois, vous voyez, comme j'ai mis les sangles, c'est quand ils avaient annoncé un vide de tempête. Et j'ai envie de regarder ces trois parce que la dernière fois que je suis venu, j'ai pris une branlée. Donc je vais voir s'il n'y a pas un souci, voir s'il n'y a pas eu une. Voilà, voir ce qu'il y a eu, pourquoi elles ont été agressives comme ça la dernière fois. Alors est-ce que c'était suite au mauvais temps qui était annoncé ou quoi, ou faire un peu l'état des lieux de la colonie. Donc là, j'ai enlevé la sangle. Donc on va vite fait jeter un œil, voir si tout va bien, s'il y a encore des abeilles. J'ai allumé l'enfumoir cette fois-ci au cas où. Pour voir, donc là on va soulever légèrement le toit. On va décoller et on va voir s'il y a du monde. Ah ben voilà. Belle colonie encore grappée. Hop, on va pas les déranger plus longtemps. Voilà, donc oui, elle est en pleine forme. Bon, je vous pose là, je vais regarder vite fait les deux autres à côté. Bon, je comprends pas, à mon avis ça doit être la météo, c'est pour ça que j'ai été agressé la dernière fois, je pense. Donc celle-là, on va vite fait la regarder aussi. Pas commode, il y a eu quand même quelque chose. Bon voilà, donc tout va bien. Maintenant, j'étais un peu inquiet, je pensais qu'il y avait eu, je sais pas, trop bizarre de leur agressivité. Voilà, donc apparemment tout va bien, c'est des colonies qui sont en pleine forme. Maintenant on va les soupeser. Alors pour les soupeser, c'est simple, on prend derrière de la ruche et on soulève. Voilà, bon, donc ça c'est des ruches qui vont très bien passer ce début, cette fin d'hiver et début printemps, elles sont très très lourdes. Très, très lourde. Pouf. Il y en a même trop. C'est bête à dire, mais il y en a même trop. Il risque d'y avoir un problème au printemps, c'est quand la reine va commencer à vouloir pondre, il va manquer de place. Ouais, elles sont pleines, c'est très bien. C'est très très bien. Elles sont en pleine forme. On va passer aux suivantes. Donc pareil, je soulève derrière gentiment. Ah, celle-là, elle est un peu légère. Allez, je passe à côté. On va regarder ça. Je vais essayer de la soulever un peu mieux. Donc là, les réserves vers devant. Voilà. C'est pour ça que quand j'ai soulevé derrière, je trouvais un peu léger.